Salut à toutes et à tous. Je m'appelle César. Je suis à l'Université de Laval, au Québec, Canada. Et j'étudie Foucault il y a déjà quelques années. Je suis en fait au niveau de la maîtrise, en faisant un travail sur Foucault. Et j'ai décidé de faire un cours sur Les mots et les choses, son livre 1966, qui est un livre très important dans son œuvre, celui le livre qui a fait Foucault fameux en France et enfin au monde philosophique de son époque, d'une certaine façon. Et je vais développer ce cours-là, chapitre par chapitre, d'une manière aussi détaillée que je peux. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour présenter tout le livre, peut-être 3 heures, peut-être 4 heures. Je vais encore essayer de mettre des sous-titres en portugais à mes amis brésiliens et d'autres gens qui parlent portugais. Excusez-moi déjà si je commets quelques petites erreurs en français parce que c'est pas ma langue maternelle. Et j'ai certainement aucune intention de épuiser le livre tout entier parce que bon, c'est un livre énorme, 400 pages et très dense, très difficile dans beaucoup de moments, ce livre. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un livre de 66. On a l'habitude de situer ce livre dans la période dite archéologique de Foucault. On a l'habitude de faire des partages de l'œuvre foucauldienne parce que Foucault n'est pas un auteur systématique. Il a des moments différents dans son œuvre. Donc, c'est un livre qui se situe dans cette période archéologique. Avant la période dite généalogique et celle dite éthique, dans laquelle il va enfin, se préoccuper plus avec la question de sujet, etc. Il y a une traduction publiée en 1970, une traduction en anglais avec une préface, et je vais commencer ce cours avec une analyse de cette préface de Foucault, 70. Et bon, je ferai d'autres observations contextuelles aussi au long du cours, et faisant aussi des connexions avec d'autres œuvres de Foucault qui sont également très intéressantes. Bon, je commence donc avec la préface à l'édition anglaise, 1970. On trouve cette préface dans l'édition Routledge Classics de 2002, en anglais bien sûr, qui Foucault a écrit en anglais, mais aussi dans une traduction en français, dans les 10 écrits, tome 2, chez Gallimard, de 1994. Une chose que Foucault commence déjà à dire dans cette préface, c'est qu'on peut faire un usage libre de ce qu'il écrit dans ce livre. Si le lecteur, la lectrice est gentil de lire le livre, donc il doit être libre aussi pour faire le livre ce qu'il veut. Et ça est une chose très proche de ce qu'il dit dans le cours de 1976. Il faut défendre la société dans tout le début du cours. Vous pouvez faire avec ce que je dis ce que vous voulez, je ne veux pas établir une loi sur ce que j'écris. Et ça, certainement, n'est pas un appel à une lecture qui manque de rigueur. Au contraire, je dirais que c'est un appel à un usage à la fois rigoureux et créatif de ce que Foucault nous présente. Et pour ce faire, Foucault, pour faire cet usage rigoureux et créatif en même temps, Foucault, il nous donne cinq indications, cinq directions d'usage, ce qu'il appelle directions for use, pour le lecteur et la lectrice.
Bon, la première indication d'usage, concerne le type d'histoire à faire. Donc, à l'époque de Foucault, les gens faisaient l'histoire des sciences dures, des sciences dites exactes, comme la mathématique et la physique, dans un sens téléologique de découverte des vérités. Tandis que Foucault voulait, de sa part, il voulait faire l'histoire de ces domaines empiriques du savoir, liés aux êtres vivants, au langage et aux faits économiques, des domaines considérés comme irréguliers et toujours rapportés à des événements extérieurs. Bref, ces domaines qui, au fond, étaient soutenus par un ordre bien régulier. Cet ordre régulier que Foucault veut dégager, veut révéler, c'est la première hypothèse de Foucault, était à la base non seulement des sciences dures, des sciences exactes, comme enfin, la physique, les sciences dures et les sciences empiriques aussi, mais également des discours plus naïfs et plus communs. Donc, tous les savoirs, tous les discours, ils se situaient dans un certain ordre, ils respectaient un certain ordre, et enfin non seulement les discours les plus complexes, les plus élaborés, mais aussi les plus communs, les plus naïfs. Deuxième indication d'usage concerne qu'on pourrait appeler une analyse épistémo-comparative. Il ne s'agit pas de faire la genèse d'une discipline, dit Foucault, comme la biologie, depuis les germes qu'on pouvait trouvé dans l'histoire naturelle du XVIIIe siècle jusqu'à l'évolutionnisme du XIXe siècle. Il ne s'agit pas non plus de juxtaposer ces différentes genèses des sciences les unes aux autres. Il s'agit plutôt, avant tout cela, de dégager cet espace épistémologique où on peut trouver chaque science à une époque donnée et, à partir de là, de faire la comparaison interne et externe à cet espace épistémologique. Bon, c'est ça que Foucault va nommer l'épistémé. C'est un concept très important pour les mots et les choses, et je vais certainement le développer dans quelques minutes. Bon, pour faire cette analyse épistémo-comparative, Foucault, il doit modifier, dit-il, le calendrier des saints et des héros. The Calendar of Saints and Heroes. Donc, par exemple, il va donner plus d'importance épistémo-historique à des studies de Tracy au lieu de Rousseau dans le domaine du langage, à Linné et à Cuvier au lieu de Buffon et Darwin dans le domaine des êtres vivants, à Quintillon et à Ricardo au lieu des physiocrates et de Marx dans le domaine des faits économiques. Donc, il va faire un travail historique qui va changer un peu la façon même de voir l'histoire, de lire l'histoire. Il va, enfin, en donnant d'importance plus grande à certains faits, plus que des personnes. Enfin, il va proposer une nouvelle façon de faire l'histoire. Et ça ne veut pas dire certainement que ces autres personnes, comme Rousseau, comme Darwin, comme Marx, n'ont pas d'importance, mais qu'ils sont déjà situés dans une épistémée dont le surgissement était bien antérieur ou qu'ils ne représentent si fortement cette épistémée que les autres. Donc, il ne s'agit pas de dire que Marx n'est pas important, mais que Marx est déjà situé dans une épistémée, l'épistémée moderne, et qu'on trouve chez Ricardo, par exemple, une façon plus directe, plus intéressante, plus évidente de décrire le passage d'une épistémée à l'autre. Bon, troisième indication d'usage, ça concerne le système archéologique et l'inconscient positif. La pré
préoccupation de Foucault ne va pas porter ni sur le développement des sciences avec son économie interne et ses découvertes, ni sur ses obstacles non perçus et ses thèmes mal formulés, par exemple ce que serait son inconscient négatif. Mais sur le système archéologique, là le mot apparaît, le système archéologique d'une époque et l'inconscient positif que cette époque maintient en termes de savoir, ce qui rend possible enfin, tous les savoirs d'une époque. Je dois souligner qu'en anglais, le mot que Foucault utilise dans cette préface, c'est « knowledge », donc qu'on peut traduire comme « connaissance », mais aussi pour « savoir », parce que je dirais que en français, Foucault donne un privilège au terme de « savoir » plutôt que celui de « connaissance », mais en anglais, il n'y a pas beaucoup de choix, enfin, il y a le terme de « savoir », enfin, il y a le terme de « knowledge » que Foucault utilise ici, mais on peut comprendre ça comme enfin, connaissance et savoir, peut-être plus comme savoir parce que c'est un terme qui a une, comment je dis, un domaine d'application plus large que la dite connaissance. Bon, je passe tout de suite au quatrième point, à la quatrième indication, qui concerne trois sujets, trois thèmes, celui du changement, celui de la causalité et celui de la subjectivité. Ce livre de Foucault a posé quelques questions et a été l'objet de certaines objections qui n'ont été pas répondues dans le livre même, mais que Foucault reprend ici. Le premier problème, c'est celui du changement. Sartre a posé ce problème dans un texte de 1966, la même époque de la publication du livre, en disant que Foucault avait refusé l'histoire, quoiqu'il a maintenu une perspective historique en distinguant les époques les unes après les autres, ou d'une façon plus problématique, en faisant la description d'une succession des immobilités, dit Sartre, ce sont les mots de Sartre, succession des immobilités, enfin des grands blocs historiques. Selon Sartre, Foucault n'a pas bien expliqué le passage et le mouvement d'une époque à l'autre, d'une épistémé à l'autre, et ça pourrait être expliqué seulement, dit Sartre, par la praxis que Foucault apparemment refuse. Bon, on doit, comme dit Sophie Djanarian, dans son cours sur Foucault que je suis maintenant ici à l'Université de Laval, on doit avoir une générosité herméneutique avec l'auteur qu'on se propose de présenter. Et en ce sens, je reprends ici la réponse de Foucault qu'il donne ici dans cette préface, la réponse à cette objection de Sartre. Il dit que sa préoccupation dans le livre, dans les mots et les choses, était essentiellement avec des changements. Il a montré qu'au début du 19e siècle, par exemple, on a tout un réarrangement de plusieurs domaines de savoir, plusieurs modifications dans le champ du savoir, et qu'il était possible de trouver une combinaison entre ces différents domaines, bien que les transformations ont pris plus de temps pour certains domaines que pour les autres, pour s'arranger dans un même espace épistémique, dans une même épistémé. C'est ce qu'il va dire sur la philologie, donc sur ce domaine de langage qui a pris un peu plus de temps pour enfin, se transformer avec l'ordre moderne, disons, du savoir. Mais enfin, Foucault parle en fait, des changements, et de beaucoup de changements et sa combinaison. Deuxième problème que Foucault pointe ici, c'est le problème de la causalité. Foucault n'a pas eu l'intention de dire pourquoi il y avait des changements entre les différents régimes de savoir. Il a limité son travail à la simple description de ces changements
ce qui ne veut pas dire que ça serait impossible de créer une théorie pour faire ce type d'explication causale. Donc c'est ça le problème de causalité. Qu'on ne demande pas le pourquoi, mais peut-être le comment. Et c'est justement ce type de travail que Deleuze et Guattari vont faire, par exemple aussi dans Capitalisme et schizophrénie. Troisième problème soulevé par Foucault, c'est le problème du sujet. Foucault a été pendant longtemps un lecteur de phénoménologie. Il a même eu l'idée de faire dans les années 1950 une thèse, un rapport avec la phénoménologie, une interprétation de l'œuvre de Husserl, mais il a abandonné ce projet-là, qui a été publié d'ailleurs l'année dernière, 2021, sous les titres « Phénoménologie et psychologie ». Et pendant les années 1960, on voit que Foucault, il va s'éloigner de plus en plus de la phénoménologie, jusqu'au point où il dit que dans « Les mots et les choses », on dit dans la préface de 1970, il dit que dans « Les mots et les choses », son idée n'était pas de donner un privilège épistémologique au sujet de connaissance, comme un être détaché de ce qui l'entoure, mais de situer ce sujet sur un espace où son savoir et ce que toute une culture donne, ce savoir et cette culture, elle se situe dans un espace où il est possible, la culture est possible, ce que la culture produit en termes de savoir est possible. Donc ce n'était pas une théorie du sujet de connaissance que Foucault voulait faire, mais ce qu'il appelle une théorie de la pratique discursive. C'est-à-dire une théorie qui implique à la fin une praxis, au contraire de ce qu'il disait Sartre. Alors trois problèmes que le lecteur et la lectrice doivent tenir compte. Celui de changement, causalité et subjectivité. Bon, cinquième point de indication d'usage, direction for use, Foucault, ce cinquième point concerne un rejet du structuralisme. Foucault non seulement a pris ses distances donc, par rapport à la phénoménologie pendant les années 60, mais aussi du courant structuraliste représenté d'une façon un peu catégorisante et arbitraire, bien sûr, par des penseurs comme Lévi-Strauss, Lacan et Barthes. Foucault, il utilise dans l'histoire de la folie, on sait bien ça, le mot des structures, très souvent. Et ici, je vous donne un exemple, cette utilisation du mot structure, cet aspect structuraliste de Foucault, des années 60. Foucault écrit dans l'histoire de la folie, il ne s'agit pas ici d'établir une hiérarchie, ni de montrer que l'âge classique a été en régression par rapport au XVIe siècle, dans la connaissance qu'il a prise de la folie. Parce que le XVIIe siècle, a effectué le grand renfermement des fous, qui n'existait pas au Moyen-Âge ni à la Renaissance. Il s'agit seulement, continue Foucault, en dégageant les chronologies et les successions historiques de toute perspective de progrès, en restituant à l'histoire de l'expérience un mouvement qui n'apprête rien à la finalité de la connaissance ou à l'orthogénèse du savoir. Il s'agit de laisser apparaître le dessin et les structures de cette expérience de la folie, telle que le classicisme l'a faite réellement. Cette expérience n'est ni un progrès, ni un retard par rapport à une autre. Ça, on trouve dans les pages 138-139 de l'histoire de la folie. Donc Foucault utilise le mot, ici, le mot de structure, pour caractériser l'expérience de la folie dans les différents moments de l'histoire, dans la pensée européenne. Il s'utilise de la méthode structuraliste pour faire ce type d'histoire. Et on pouvait ici définir le structuralisme,
défendre une définition du structuralisme comme ce courant de pensée des années 60 qui vise privilégier d'une part la totalité par rapport à l'individu, d'autre part la synchronicité des faits plutôt que leur évolution, et enfin les relations qui unissent ces faits plutôt que les faits eux-mêmes dans leur caractère hétérogène et anecdotique. C'est une définition qu'on trouve chez Larousse, dans le Larousse, dans l'encyclopédie Larousse, et c'est bien ça que Foucault fait et que ses autres penseurs comme Lévi-Strauss et Lacan font d'une certaine manière. Mais quand même, on peut dire que Foucault, il va de plus en plus s'éloigner de ce courant du structuralisme à la fin des années 1960. Bon, je crois que on ne doit pas donner du crédit, on ne peut pas croire à tous ceux qu'un auteur parle de lui-même. Lorsque Foucault même, par exemple, dit qu'il n'a rien utilisé de méthode structuraliste, ou encore lorsque Nietzsche écrit une autobiographie qui est tout à fait inversée, n'est-ce pas? Et on sait que Foucault est très nietzschien dans ces années 1960. On ne peut pas croire d'une manière naïve aux données biographiques que Nietzsche nous donne pour lui-même. En revanche, si on regarde les travaux de Foucault sur la sexualité, et ici je me permets de faire une relation entre Foucault et Nietzsche, c'est une relation très importante et très intéressante au long de l'œuvre de Foucault. Si on regarde donc les travaux de Foucault des années 80 sur la sexualité, on s'aperçoit qu'il est vraiment distinct aussi bien du structuralisme, de la phénoménologie et aussi de Nietzsche. Parce qu'il s'agit de montrer qu'il avait entre les Grecs, les Romains et les chrétiens une certaine continuité des thèmes concernant la sexualité. Nietzsche était le philosophe qui, dans son entreprise contre le christianisme, a fait des affirmations sans fondement historiques sur l'histoire de la sexualité ou des actes sexuels. Par exemple, dans le Crépuscule des idoles, Nietzsche écrit « Ce n'est que le christianisme, avec son fond de ressentiment contre la vie, qui a fait de la sexualité quelque chose d'impur. Il jette la boue sur le commencement, sur la condition première de notre vie. » Fin de citation. Eh bien, Foucault, il rejette cette idée que c'était le christianisme qui a changé radicalement la manière de comprendre les rapports sexuels, ou comme la pensée qui a inventé le soupçon contre les usages du plaisir. Comme a bien remarqué Bernard Harcourt et Daniele Lorenzini aussi, Foucault il suggère une continuité existant depuis l'âge grec jusqu'à la période chrétienne concernant la perception morale des actes sexuels, avec un changement non pas à partir d'une répression soudaine de la sexualité par le christianisme, mais plutôt à partir d'une nouvelle manière de subjectivation débitrice de ce qui existait déjà, bien qu'avec moins d'importance, entre les Grecs et les stoïciens de l'époque impériale. Donc ça, vous pouvez trouver dans les tomes 2, 3 et 4 de l'histoire de la sexualité. Déjà dans l'introduction de l'histoire de la sexualité, tome 2, vous pouvez trouver cette considération de Foucault qu'il y avait une continuité entre une certaine continuité entre la période grecque et puis ce qui va apparaître au christianisme. Bien sûr qu'il y avait des changements, mais aussi il y avait des continuités. On voit un distancement de Foucault par rapport à Nietzsche tout au long de son parcours intellectuel, tandis que dans les années 60, y compris ce qu'il a écrit dans L'amour et les choses, l'importance de Nietzsche, l'influence de Nietzsche est encore très grande, est énorme, je dirais. Juste pour reprendre ce qu'on a vu ici dans cette préface,
Foucault, il nous donne cinq indications d'usage pour la lecture de son livre. La première, il propose un certain type d'histoire à faire, qui cherche l'ordre régulier de tous les savoirs d'une certaine époque, ce qu'il va appeler l'épistémé. Deuxièmement, il fait une analyse épistémo-comparative. Troisièmement, il nous parle d'un système archéologique et d'un inconscient positif. Quatrièmement, il nous présente des problèmes concernant le changement, la causalité et la subjectivité. Et cinquièmement, il fait la refuse, il rejette le structuralisme. Bon, c'est ça donc pour cette préface. Et maintenant, je passe tout de suite à la préface de 66. Foucault, il commence cette préface d'une manière très littéraire. Foucault aimait beaucoup la littérature. C'est pour cette raison, je dirais, qu'il a écrit de si beaux livres. La manière d'écrire de Foucault est très poétique, d'une certaine façon. Il commence avec un texte de Borges sur l'encyclopédie chinoise. Ce texte de Borges, il s'intitule « L'idiome analytique de John Wilkins ». Et ce texte de Borges, si vous le lisez, il parle enfin sur l'arbitraire et la limitation de toute classification inventée par les hommes, aussi sophistiquée qu'elle soit. Et Foucault, il reprend cette idée de l'arbitraire de la classification, parce que la classification est ce qui crée un lieu commun pour des choses qui sont différentes, pour des choses qui n'ont pas de lieu commun. La simple énumération, dit Foucault, a un pouvoir d'enchantement sur des choses qui sont au fond différentes. Comme dit Sophie Jenarien, à nouveau, on a affaire ici à une sorte de table qui soutient les savoirs et qui est si commune pour ordonner les choses qu'on arrive à son invisibilité. On ne voit plus le sens de cet ordre parce que cet ordre, elle est toute donnée. Elle est là. Donc on ne va pas questionner cet ordre qui existe déjà. Elle est si commune pour ordonner les choses qu'elle devient invisible. Et on a aussi dans cette préface ce fait que le texte de Borges, dit Foucault, il pointe vers des hétérotopies différentes des utopies. Les hétérotopies comme des lieux qui pointent vers les limites de notre pensée. Les utopies, elles consolent, dit Foucault, dans la page 9, car ce sont des lieux très bons, des très beaux espaces, en quelque sorte parfaits, auxquels pourtant on ne peut jamais accéder. Et ça, Foucault dit dans un texte qui s'appelle « Des espaces autres », qui est un très beau texte aussi. Et je vous recommande aussi un texte qui, à mon avis, est l'un des plus beaux de Foucault, qui s'appelle « Le corps utopique », très petit texte dans lequel Foucault, qui est les utopies, semble d'abord s'opposer au corps, mais que toute utopie naît du corps et des corps. Et cet autre texte aussi, « Des espaces autres » de la même période, Foucault dit que les hétérotopies, elles minent le langage, elles rendent moins évidente l'identité entre les choses, elles ruinent la syntaxe qui tient ensemble les mots et les choses, contestent l'être de toute grammaire. Bon, donc ce sont des lieux réels, dit Foucault dans ce texte-là, qui à la fois représentent, contestent et inversent d'autres lieux réels. Comme par exemple les asiles, les prisons, les cimetières, les casernes, etc. Et on remarque que Foucault, ici, déjà, en parlant des hétérotopies, d'utopie, hétérotopie, il utilise un langage qui est très spatial.
le livre, les titres du livre, les mots et les choses, n'étaient pas en fait un choix de Foucault, d'abord un choix initial de Foucault. Foucault, il voulait donner au livre le nom de l'ordre, des choses, mais l'éditeur a trouvé ce titre pas très beau. La suggestion pour le titre d'être les mots et les choses, c'était une suggestion de l'éditeur. Et on va retrouver l'ordre des choses après dans l'édition anglaise qui enfin donne au livre le nom de The Order of Things. Mais on doit ici se demander pourquoi Foucault parle de l'ordre des choses, pourquoi il voulait donner ce titre au livre, l'ordre des choses. Foucault, il développe une méthode historico-philosophique qu'il appelle archéologie. Robert Thomas Chado, qui est un philosophe brésilien décédé en 2021, qui était aussi un ami de Foucault, il écrit un texte, un livre qui s'appelle « Foucault, la science et le savoir ». Robert Thomas Chado, il dit que l'archéologie n'est pas un bloc monolithique, c'est sa lecture qu'il fait de l'œuvre de Foucault, et qu'on pouvait trouver dans l'archéologie foucauldienne trois moments. Premièrement, une archéologie de la perception, Histoire de la folie, 61. Deuxièmement, une archéologie du regard, Naissance de la clinique, 63. Et puis, enfin, une archéologie du savoir pour les mots et les choses, 66, et l'archéologie du savoir, le titre du livre, de 69. Donc, on ne peut pas comprendre l'archéologie comme un bloc monolithique, mais comme une chose que, enfin, un moment qui a ses transformations aussi, et toute l'œuvre de Foucault est comme ça. Alors, on ne peut pas parler d'un seul Foucault, mais de différents Foucault qui enfin changent de position théorique, il n'y a pas de honte de faire ça. Un penseur qui n'est pas un penseur systématique. Et de manière générale, l'archéologie peut être définie comme une méthode d'étude qui vise à présenter les conditions de possibilité, certaines pratiques, certains savoirs, dans une culture donnée et à un moment historique donné. Donc Foucault, dans le cas de Foucault, dans Les mots et les choses, il va présenter les épistémés de la culture européenne à un moment, dans un moment spécifique, entre la Renaissance et la modernité, entre le XVIe siècle et le XIXe, le XXe siècle. Bon, une épistémé, Foucault la définit aussi, elle peut être définie, elle peut être comprise comme un a priori historique. Et là, on voit que Foucault utilise des termes kantiens. Foucault était pendant beaucoup de temps un kantien, je dirais. Il était très kantien, je dirais. D'ailleurs, sa thèse mineure à côté de l'histoire de la folie était une lecture de l'anthropologie de Kant, une traduction, une lecture de l'anthropologie de Kant. Et donc Foucault, il dit que l'épistémé est une sorte d'a priori historique, non pas un a priori subjectif, mais historique. D'où dérive toute connaissance possible d'un moment historique donné. C'est comme une structure, entre guillemets, c'est un terme que Foucault souvent utilise dans l'histoire de la folie, et que Foucault duquel Foucault va s'éloigner dans les années 60. Mais en fait, on va voir que dans Les mots et les choses, il n'utilise pas le mot de structure dans ce sens structuraliste. Bon, qu'est-ce que Foucault veut faire dans Les mots et les choses? On pourrait dire que Foucault, il veut décrire
les ruptures entre les épistémènes de la culture européenne entre le 16e et le 20e siècle. Donc il va décrire trois épistémées, celle de la Renaissance, celle de l'âge classique et celle de la modernité. Et toutes les continuités apparentes, historiquement apparentes, dit Foucault, ne sont que des effets de surface, il dit dans la page 14. Foucault va encore avoir l'intention de dire, enfin, il va dire, effectivement, que l'homme est une invention du 19e siècle. Dans les années 70, Foucault dira que l'homme n'est qu'une forme de subjectivité dans notre culture, et en à peu près 1977, il va dire que Sartre, c'est le dernier grand humaniste. Donc Foucault ici, avec moi les choses, il est contre l'humanisme, en ce sens théorique du terme, de soutenir l'existence d'une nature humaine, quelque chose comme une nature humaine. Et ce travail de Les mots et les choses est un travail différent de celui qu'il a fait dans l'histoire de la folie. Ici, dans Les mots et les choses, il veut faire une histoire du même. Enfin, il veut décrire un ordre de savoir, au désordre de savoir, des époques différentes. Et dans l'histoire de la folie, ce qu'il faisait, c'était une histoire de l'autre, c'est-à-dire du personnage du fou. Comment le fou est compris, était compris comme une figure à la fois intérieure et extérieure de la culture européenne, et avec des transformations depuis la Renaissance jusqu'à la modernité. Mais déjà en 61, Foucault travaillait sur des thèmes qui vont apparaître presque entièrement dans Les Nouvelles Choses, donc cette thèse-là sur laquelle je parlais parlais tout à l'heure, cette petite thèse mineure sur l'anthropologie de Kant, et qu'on va discuter dans le chapitre 9 de Les mots et les choses. Donc ça, c'est pour les préfaces, les deux préfaces. Je vais faire la division de ces vidéos, parce que bon, c'est beaucoup de choses. Je vais faire la division en deux ou trois parties. Mais oui, c'est ça pour maintenant.